Soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon intitulée Le conditionnel passé. Alors, le conditionnel passé est un temps composé. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au conditionnel présent plus le participe passé. Commençons tout d'abord par l'auxiliaire avoir plus le participe passé. On va conjuguer quelques verbes comme exemple. J'aurais eu, nous aurions bu, elles auraient grossi. Passons maintenant à l'auxiliaire être plus le participe passé. Voici quelques exemples. Vous seriez arrivé. Tu serais venu. S'il vous plaît, il faut accorder toujours le participe passé. Il serait parti. Alors, ce qui concerne sa valeur, le conditionnel passé sert à exprimer un regret ou une réflexion qui ne s'est pas réalisée dans le passé. Par exemple, « Ah, comme j'aurais voulu faire un beau voyage, mais cela n'a pas été possible. » On l'utilise également pour exprimer une hypothèse ou bien une situation passée qui dépendait d'une condition qui ne s'est pas réalisée, c'est-à-dire les réels du passé. Dans ce cas, on utilise « si plus plus que parfait » et le conditionnel passé. Prenons comme le fait suivant. Prenons un exemple comme le fait suivant. Tu as échoué. C'est un fait passé. Donc, on peut dire dans ce cas, si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Ce sont des faits passés qui ne sont pas réalisés. J'espère que la leçon était claire. Merci pour votre attention.